à Stamford Bridge, où les conditions météo vont être vraiment idéales pour cette rencontre. Dans la cabine, c'est Hervé Matou. Tout est prêt ou presque. Ça va pouvoir commencer. On va pouvoir suivre ce match ensemble. Nous allons assister aujourd'hui à un match de groupe de l'UEFA Champions League. Il y a déjà une belle ambiance ici. Hein. Tout le monde a envie de montrer de belles choses. C'est dans ces phases de groupe que se dégagent déjà les favoris. Ceux qui feront la course en tête et qui pourront assez vite se projeter sur le reste de la compétition. Je sais qu'il n'a plus le ballon, qu'il a perdu. L'arbitre qui doit intervenir. Voilà, passe complètement manquée, c'est cadeau. On cherche la faille dans la défense adverse. Ah, il perd ce ballon. Chelsea qui se rapproche du but. Ouais, impeccable la récupération. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Alors, le ballon qui est dégagé. Ross Barkley. Le chèque. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. La frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ah mais ça joue vers l'avant. On a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe. Oh, le ballon qui a été détourné. Le ballon qui a été détourné et qui termine dans les filets. Ah, on voit que le ballon a été détourné, hein. C'est clair sur ce ralenti, ça joue un rôle. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Et c'est dedans ! L'égalisation de Chelsea dans ce match ! On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Après, à cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Il est bien placé, il peut centrer. La passe est interceptée. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Ouais, le hors-jeu qui est signalé, ouh, ça doit être vraiment limite, hein. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Cherche une solution là.
faute, mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Attention, ça peut être dangereux. Allez, il faut centrer vite. Et le centre bien négocié par le gardien. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Allez, il continue. Ça n'ira pas plus loin. Ross Barkley. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ross Barkley. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Thompson qui perd ce ballon. Le chèque. Une phase de possession en attendant la faille. Oh, très bien défendu. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Le bon ballon en profondeur. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin. Contré. Et c'est un corner, hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Le ballon est perdu. Ouais, la tentative au bout des blouses. Non, voilà la spontanéité de cette frappe, hein. Sans se poser de questions, paf, c'est parti, splendide. Et 2-1 donc maintenant. Ouais, la bonne interception. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Jorginho. Adversaire qui hérite de ce ballon. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Ah, c'est une perte de balle. Bonne anticipation sur cette interception. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Il porte le ballon. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. Ça profite, l'arbitre fait signe de jouer pour Chelsea. Ziyech. Ouais, il a dribblé. Quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Attention à ce corner. Mais ce sera à 6 mètres alors qu'il était en bonne position. Le petit rappel, mais je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié. Ce rendez-vous très important. On en a de la chance, hein. On va pouvoir assister tous ensemble à cette belle rencontre. Il y a beaucoup d'espace devant. Il faut qu'il centre maintenant. Et la faute contre Chelsea. Bon ballon.
ballon dans la surface. Un mauvais dégagement là, attention. Le centre était dangereux, mais c'est finalement sans conséquence. Un centre qui est contré et l'arbitre qui revient finalement à la faute. Bien donné en direction de la surface ce ballon. Ah non, le ballon est perdu. Ouais, lumineux cette passe. Attention à la frappe. Ouais, c'est pour le gardien. Oh, quelle maladresse! Attention! Ça va être un 6 mètres pour le gardien. Obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtrisé du tout. Le coup franc très lointain, ça va passer à côté. Et l'arrêt du gardien. Ouais, ça joue pas mal, ça circule, ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser. Ah non, le ballon est perdu. Ah, le bon ballon de contre. Oh, la faute, et il y avait danger, et l'arbitre logiquement va sortir un carton. La frappe, il y avait la distance, mais ce n'était pas cadré. Attention, le bon pressing. La passe de N'Golo Kanté, mais elle est interceptée. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause avec ce. La suite de cette rencontre, pour l'instant, c'est Chelsea qui mène au score. La passe de N'Golo Kanté, mais elle est interceptée. Le bon ballon. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Ouais, bien tiré ce corner. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Il tire. Présence là du gardien. Chelsea qui perd ce ballon. La bonne interception. On s'approche de la zone de vérité. Excellente passe. Oh, magnifique l'arrêt et difficile. Quand même, on peut égaliser peut-être. Et la reprise de la tête. Dommage, c'est à côté. Encore le Kanté.
Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Et ce centre sans problème pour le gardien. Ziyech. Il progresse vers le but. Il peut le mettre. Ouais, bonne intervention. Bonne intervention dans les buts. La leçon de tout à l'heure a été retenue. La reprise de la tête et ce n'est pas cadré. Il essaie en louche un petit peu. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Ce sera un coup franc pour les Blues. N'Golo Kanté. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Oh, bien vu ça. Pour Chelsea, le but pour Chelsea qui fonce vers la victoire, semble-t-il. Deux buts d'avance désormais pour les Blues. Là, c'est magnifiquement joué. On voit le ralenti là. Il fallait mettre ce ballon au ras du sol, tout en précision. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Ah, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Le joueur ne pouvait clairement pas continuer son action, alors on est revenu à la faute. Jorginho. On sent qu'il a le ballon, qu'il a perdu. Contre-attaque peut-être. Et il donne un ballon piqué. Ouais, la frappe. Et le but! Et au final, le but qui va être refusé. A priori, une position de hors-jeu au départ de l'action. Très difficile à juger à vitesse réelle. On va voir ça. N'Golo Kanté. Kim Ziyech. Ouais, bonne intervention, assez autoritaire. Il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Ah, l'entraîneur, il ose en tout cas. C'est plutôt bon signe pour la fin de match. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Et la remontée du terrain qui se poursuit. En retrait, assez dangereux. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer. Non, finalement, c'est un ballon perdu. Ça peut devenir dangereux. Avec un tir. Oh, le ballon qui frappe la transversale. Oh, l'arrêt en deux temps. L'arrêt en deux temps, première intervention exceptionnelle. Et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. Oh, le bon ballon en profondeur de Kanté. Oh, non, mais frapper comme ça, aussi fort, sans viser. Ça ne sert à rien. Oh, il a passé son adversaire direct. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Allez, ils vont jouer la touche.
Quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Et l'entraîneur qui procède à un changement. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Kanté, et il a perdu le ballon. Oh, il est passé. Il prend sa chance. Ah, tranquille pour le gardien qui a vu le ballon venir à lui. La passe est coupée, bien défendue. Il s'avance vers la surface. Passe de N'Golo Kanté qui n'a pas trouvé preneur. Christian Pulisic. Oh, l'occasion pour Pulisic. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Le corner, le ballon en pleine surface. Corner qui sera dégagé. Ziyech. Là, il fallait intervenir urgemment. Il porte le ballon. Allez, dans la surface, il y a du monde. Ouais, il repousse, ça joue. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Tentative de loin. Allez, allez, ça doit aller au fond, ça. Oh, la puissance. Voilà, voilà, si vous voulez, la puissance sans la précision, c'est ça. Ah oui, le tir. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Ça va être une touche. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Oh, ça peut être dangereux. Attention, il peut aller au bout maintenant. Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision hein, sur cette passe en profondeur. Un très bon tac, il récupère le ballon. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Alors qu'on va procéder à un changement. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Le corner repoussé par N'Golo Kanté. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. En position idéale pour centrer. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. L'arbitre qui signale hors-jeu. Alors il fallait se repositionner par rapport à la défense. Un petit peu trop de passivité quand même. De nouveau un corner. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Il faut trouver une option disponible. Oh, c'est peut-être pas terminé! C'est peut-être pas terminé, plus qu'un but d'avance. Oh, ça va être chaud. Un
Un petit but qui les sépare désormais. Le score est 2-3-2. Il reste maintenant 2 minutes à jouer, hors temps additionnel bien sûr. Ziyech. Eh oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Attention à cette action, c'est un petit peu maintenant ou jamais là pour égaliser. C'est touché hein, par le défenseur, ce sera un corner. Ah, il est bien parti ce corner. Pas de souci hein, pour le gardien sur ce corner. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Oh, il était temps d'intervenir là. Voilà la fin de la rencontre qui se termine donc sur cette victoire à domicile. Une victoire obtenue sur la plus infime des marges. En face, on n'a pas démérité, c'est sûr, mais voilà, le réalisme